Oh la coquille. Alors coordinateur, et là les relations pudiques, pour peu qu'elles soient pudiques, les relations pudiques, hein, ce serait drôle. Aïe aïe aïe. Que des mecs. Allez, on se fait l'intro. Magnifique. Alors, l'effet super pixelarisé, c'est nécessaire. J'ai dû doubler grâce à OBS en effet spécial la luminosité, sans quoi je vois vraiment rien. Dans un endroit éclairé normalement, je suis bigleux comme une taupe, mais alors un endroit qui est sombre, c'est même pas la peine, je suis à l'aveugle.
Allez, nouvelle partie, on se lance. Qu'est-ce que je fais? Je fais moyen, difficile, alors réaliste, ceux qui cherchent la mort. J'espère que je vais pas trop me prendre la tête. Tant pis, je m'en fous si je fais plus de 100 heures de jeu pour... On va faire réaliste, je suis fou. Ouais bah non, usuel. Je veux bien être black. J'ai vu qu'on pouvait être black dans mes tests. Ah, la distribution des points, c'est super important ça. Pourquoi on mettrait des points en médecine? L'agent peut utiliser ses connaissances pratiques en matière de physiologie humaine sur le terrain afin de profiter au mieux des medikits. L'agent sait utiliser un medikit. L'agent peut guérir plus efficacement ses blessures et réduire la durée d'un empoisonnement. Oh mon dieu. Dadada, je suis expert. L'agent peut effectuer un pontage carotidien avec des ustensiles de cuisine. Ok. Oui, la médecine, c'est super important là. Ah, dur, dur. La survie, c'est quoi? Ah ouais, alors niveau d'expérience pour l'utilisation des biocombinaisons, protection par balles, camouflage, thermoptique et respirateur dans un certain nombre de situations délicates. Oui, bon, autant dire jamais, quoi. Crochetage. L'art du crochetage nécessite en tout des passe-partout, une patience et une grande concentration de la part de l'agent. Alors là, je suis nul. L'agent sait crocheter une serrure. Hein, mais après, capable de crocheter une serrure plus facilement, bien plus facilement. Oh, je sais pas si j'ai besoin de ça. Informatique, les applications plus ou moins légales de l'informatique. Alors, je peux utiliser des terminaux pour lire les informations. Ah, en novice, je peux. L'agent peut pirater les distributeurs banques des ordinateurs et les terminaux de sécurité. Ah. Ah oui, après, il y a possibilité de contrôler des toiles de sécurité. Donner également la capacité de transférer des emails dans son peste ordinateur. Ah ouais, mais c'est crucial ça. Dès que j'aurai des points bonus, je les mettrai dans l'informatique, laisse tomber. Ok, c'est parti. Bon, ça retape l'intro. Il n'avait pas vraiment le choix. A-t-il été contaminé? Oui, c'est certain. Lorsque je lui ai appris que nous pouvions le mettre sur la liste des patients prioritaires pour le vaccin de l'ambroisie, il a été si enthousiaste que cela en devenait pathétique. Cette peste, les émeutes s'intensifient à tel point que nous ne pourrions plus les maîtriser longtemps. Pourquoi les maîtriser? Laissez-les atteindre les écoles et les églises, laissez les corps s'empiler dans les rues, ils finiront par nous supplier de les sauver. J'ai eu connaissance de rapports concernant des attaques armées visant certaines cargaisons. Il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde et les classes populaires commencent à perdre espoir. Bien sûr qu'ils perdent espoir. Ils peuvent se sentir leur propre mort et le bruit qu'ils feront en crachant leurs poumons servira de mise en garde pour les autres. J'espère que vous sous-estimez pas l'ampleur du problème. Les autres ne partiront peut-être pas aussi aisément. Mes espions m'indiquent qu'ils sont à l'origine des problèmes de Paris. Un tas de vieillards prétentieux qui jouent à gouverner le monde. Mais le monde les a laissés dans le son sillage il y a bien longtemps. Nous sommes son avenir. Nous avons d'autres problèmes. Le Netco? Créé par le pouvoir exécutif après l'attentat terroriste de la statue, mais j'ai quelqu'un sur place. Je me fais plus de soucis au sujet de Savage. Il a déménagé pour Vanderburg. Nos connaissances en biochimie sont bien plus avancées que les leurs, tout comme nos moyens électroniques. Et leurs éthiques, si inflexibles, nous a permis de faire des progrès dans des domaines qu'ils refusent d'aborder. Le projet concernant les modifications, entre autres. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu par les performances de la première équipe.
La seconde unité sera bientôt sur le terrain et est actuellement en cours de perfectionnement et sera opérationnelle dans 6 mois. Mes hommes continuent à me faire des rapports sur ses progrès. La première unité sera détruite si nécessaire. Nous avons subi tant de revers, vous et moi, mais bientôt l'ordre régnera à nouveau, une nouvelle ère s'ouvrira. Akinas a parlé de la ville mythique sur la montagne. Cette ville sera bientôt réalité et nous en serons ses souverains. Ou mieux encore, ses dieux. Donc je joue sous Linux en OpenGL et ça marche fort bien. Encore qu'une fois, j'ai eu un crash lors de mes tests ce matin, durant mes 3 heures de test, mais je sais plus pourquoi j'ai eu un crash. Je sais plus si c'est de ma faute ou pas. Bon, il faudrait que j'aie le réflexe de sauvegarder régulièrement puisque j'ai pas de sauvegarde auto. Ah, c'est un copain lui, ça va. Ah, mais même là, j'ai du mal à voir. Hein. C'est hyper sombre. Hein. Pilote de la vedette de l'UNESCO. Ah, j'ai peur de rester ici. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mec dedans. C'est cohérent. Oh là là, il veut me rattraper. Le fusil va me plaire. Ouais, il y a tout le détail, il y a tout. Ah, il y a du matos ici. Sympa. Petite biche. Oui, bon, il n'y a pas de résistance là. Passe-partout, ça va aider dès le début.
Un petit clin d'œil à Half-Life. Et B. Je me pose plusieurs questions encore et encore sur la qualité de la. Ma configuration, je vais voir. Je reprendrai plus tard.